Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la question de savoir si le peuple a toujours raison. L'idée que le peuple a toujours raison est tout à fait farfelue. Alors vous pouvez être étonné que dans une chaîne consacrée à défendre la démocratie, je souligne que le peuple n'a pas toujours raison. Mais je crois que c'est très important quand on défend la démocratie de la défendre sur des arguments solides et pas de se baser sur, pas fonder son argument sur du marécage. Et l'idée que le peuple a toujours raison, ça c'est vraiment du marécage, c'est une idée farfelue. J'imagine qu'il peut régner dans des pays qui ne sont pas démocratiques et qui n'ont pas vraiment une bonne idée de ce que c'est la démocratie. Mais c'est plus ou moins évident que le peuple n'a pas toujours raison, et puis c'est ce que je vais justement démontrer dans cette vidéo. Et je ne vais pas le démontrer simplement en disant, écoutez, il y a eu telle et telle votation récemment, et puis le peuple a voté comme ci, et puis moi j'aurais voté le contraire, donc comme moi j'ai toujours raison, le peuple a forcément eu tort, donc ça prouve que le peuple n'a pas toujours raison. Non, ça serait un argument fallacieux, parce que ça reviendrait à prendre mon opinion personnelle comme une référence absolue. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il n'y a pas de référence absolue. Et ça, c'est une erreur vraiment relativement courante de prendre son opinion personnelle comme une référence absolue. Alors, c'est tout à fait normal, disons, qu'on considère soi-même qu'on ait raison, parce que finalement, si on pensait qu'on avait tort, ben on changerait d'avis. Donc, c'est tout à fait normal de penser qu'on a raison et puis que ceux qui pensent différemment que nous ont tort. Mais c'est très important de ne pas en faire une référence absolue et de toujours avoir, disons, cette distance qui permet de voir que, ben oui, je pense que j'ai raison, mais je ne suis pas la référence absolue. Je ne suis pas, et l'autre non plus n'est pas une référence absolue. Il n'y a simplement pas de référence absolue. Voilà, donc c'est pas du tout un argument comme ça que je vais faire, mais je vais quand même vous démontrer que le peuple n'a pas toujours raison. Prenez par exemple la Suisse, donc une démocratie, et puis là, le peuple vote. Je n'ai pas calculé le nombre moyen de fois par année, mais disons une dizaine de fois par an. Si vous, à la fin de l'année, vous demandez à tous les citoyens sur disons, ces dizaines de votations qui a eu lieu, est-ce que vous demandez à chaque citoyenne et à chaque citoyen, est-ce que vous pensez que le peuple a eu toujours raison? Eh bien, je parie que les gens vont, la majorité des citoyennes et des citoyens vont dire, ben non, sur ces 10 votations, le peuple n'a pas toujours raison. Je pense que sur ce point-là, il a eu tort. Simplement parce que ça doit être vraiment très rare sur 10 votations que quelqu'un ait voté 10 fois exactement comme la majorité. Donc quasiment tout le monde se retrouve de temps en temps, même relativement fréquemment, quand il y a une dizaine de votations par an, c'est même relativement fréquent, se retrouve dans la minorité. Donc je pars de l'idée. Évidemment, je n'ai pas posé la question, je n'ai pas réellement fait l'expérience, donc je ne peux pas donner une preuve absolue ici, mais je pars de l'idée que si on posait cette question, la majorité des gens répondraient que le peuple n'a pas toujours eu raison. Donc la majorité du peuple estime que le peuple n'a pas toujours raison. Et ben ça, c'est un gros argument en faveur de l'idée que le peuple n'a pas toujours raison si la majorité du peuple pense qu'il n'a pas toujours raison. Alors maintenant, il y a peut-être des gens parmi vous qui diront, ouais, mais en fait, le fait que le peuple pense qu'il n'a pas toujours raison, ça ne prouve pas encore qu'il n'a pas toujours raison. Et c'est un argument qui a sa validité, parce qu'effectivement, le peuple n'a pas toujours raison. Donc, même sur ce sujet-là, son avis pourrait être faux, mais excusez-moi, si vous réfléchissez un peu, de façon un peu approfondie, vous voyez que ça, c'est peut-être exactement l'exception, le cas où le peuple ne peut pas avoir tort. C'est-à-dire que si le peuple dit, dans le cas où le peuple dit, je n'ai pas toujours raison,
où la majorité du peuple dit je n'ai pas tout, la majorité n'a pas toujours raison, bah sur ce point-là, le peuple ne peut pas avoir tort. C'est peut-être le seul cas où le peuple ne peut pas avoir logiquement tort. Je veux dire, c'est impossible qu'il ait tort parce que soit il a raison et puis donc il avait raison de dire qu'il n'a pas toujours raison, donc il n'a pas toujours raison. Soit il a tort sur ce point-là et puis bah, c'est déjà un point sur lequel il a tort et donc il n'a pas toujours raison. Donc il a forcément, vous voyez, logiquement, c'est impossible qu'il ait tort sur ce point-là. C'est probablement le seul point sur lequel il est impossible qu'il ait tort. Et voilà, donc j'en déduis, c'est toujours sous réserve que les gens répondraient comme je pense, mais si vous partagez ma prédiction que si on demandait à tous les Suisses, à tous les citoyennes et citoyens suisses, sur les 10 votations ou la dizaine de votations qu'il y a eu l'année passée, de dire est-ce que le peuple a toujours eu raison sur chacune de ces 10 votations. Si vous partagez mon impression que la large majorité du peuple, ou la majorité simplement, dirait que non, le peuple n'a pas toujours eu raison, eh bien, vous conviendrez que ça prouve que le peuple n'a pas toujours raison. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu que le peuple n'a pas toujours raison, et pas simplement parce qu'il diffère de mon opinion. C'est pas juste, j'ai pas juste exhibé un cas où le peuple a décidé autrement que moi. C'était un argument un tout petit peu plus compliqué. Mais le point est important à se rappeler, le peuple n'a pas toujours raison. Voilà, j'espère que ce point vous a paru intéressant et que je vous retrouverai dans d'autres vidéos.